Bon, bah écoute, hein. Par contre, quand la piste sèche, les gars, faut pas perdre de temps à rester en inter. Hein. On va essayer. On se souvient de ce qui est arrivé il y a 8 ans ou 9 ans de ça à Lewis Hamilton. Là, sa première année chez McLaren. Ça lui a fait tout drôle. Ah, ça oui, ça je m'en rappelle. C'est l'apprentissage. Ils avaient fait une belle boulette chez McLaren, c'est de le maintenir en piste, avec ses inters, sur une piste sèche, et le temps qu'il perdait, on va dire, à rentrer au stand en détruisant ses pneus, c'était monstrueux. Je regardais les commentaires rapidement, il y a Jeff qui nous dit « Profitez bien de la pluie » et j'ai l'impression que l'IA a plus de mal sous ces conditions. C'est possible. On va voir. C'est pas faux, effectivement, parce que il y en a pas mal, effectivement, eux, ils prennent pas mal de plaisir, si tu veux, Angel, à piloter sous la pluie que sur le sec. Par contre, ça glisse beaucoup, hein. Je m'amuse à faire un peu le con là, depuis tout à l'heure, mais... Oh, c'est une patinoire. Hein. Cédric, lui, il est parti loin devant. Ralentis la cadence, hein, sinon tes pneus ils vont se retrouver trop froids. Parce que là j'ai vraiment mis un trou. Hein. Comment tu peux m'accélérer ? Angel profite bien de la grande ligne droite pour mettre tes pneus un peu plus en température. Difficilement les faire chauffer plus, hein, Siri. C'est vraiment le jeu le plus compliqué d'F1 sous la pluie. Sûr. Ils ont vraiment fait fort niveau difficulté là. C'est vraiment, c'est impressionnant. Ah oui, c'est clair et net. Hein. Ah mais sous la pluie particulièrement, c'est vraiment impressionnant. Mais complètement, et d'ailleurs. Tu fais le moindre petit écart et tu pars aux phases directes. Hein. Bon, essaye de passer en marche au premier virage. Bonne chance. Et ne faites pas les cons au premier virage et normalement ça devrait bien se passer. Oui, patron. On va essayer. D'accord, on va essayer. Voilà. Parfait. Ouais, c'était pile ce qu'il fallait à quoi. Ce à quoi il fallait s'attendre. Ouais. Normal. C'est marrant, je suis pas surpris. Oh là là, le strike. On a rien abîmé, hein, mais par contre. Moi, oui, par contre, hein, ça a morflé à l'avant. Je me suis fait embarquer par Hamilton. Et quelque chose de propre. Il y a Vettel qui a volé aussi. Ah, Vettel, c'est. On n'a pas de chance, mais bon, la course elle est pas encore terminée. Hein. Oh, je suis pas inquiet, t'inquiète, Cyril, ça va bien se passer.
Alors Speed Geek, ça lag à fond, bah écoute, rafraîchis ta page, va sur YouTube pour regarder le live si ça merde sur Twitch. Parce que avec Twitch, je maîtrise rien. Cette course s'annonce longue, les amis. Heureusement, il y a Vettel qui est dans le même trip que moi. Tu te sens moins seul? Est-ce que sur le live ça marche? Parce que là j'avais un petit freeze sur mon truc. Ça lag beaucoup. Ah, c'est la pluie, ça. La pluie à Shanghai. Ouais. On dirait que l'IA a vraiment du mal sous la pluie, que Jeff avait raison là-dessus. Ouais, ils ont l'air assez lents quand même. Toi Cédric, tu en es où exactement? Moi je suis 21ème et j'ai un drive through à faire. Encore. Ah, t'as tapé? Ouais, a priori c'est moi qui suis responsable de la collision. T'es pas avec Vettel par hasard? Ouais, je suis avec Vettel. On fait la course ensemble. C'est pas mignon. Un petit safety car, ça serait bien. Il y a la pluie qui s'arrête, ça ne devrait pas tarder. Il y a une la mise à jour, elle est sortie quand? Aujourd'hui, là? Aujourd'hui, ouais. Parce que ce matin, quand j'ai fait ma course en Espagne, j'avais les Williams, ils avaient encore les pubs Martini. C'est-à-dire qu'ils ont mis à jour les livrées des voitures. Ah, c'est bon ça. Il y a pas mal de bugs ce soir sur le live. Je sais pas pourquoi la transmission a l'air d'être assez foireuse. J'arrive pas à savoir pourquoi, pourtant j'ai rien changé d'habitude. Il y a des soirs comme ça où ça merde. Ouais, ils nous annoncent que la pluie va s'arrêter. T'en dis dans combien de temps, Cédric? Très prochainement, il a dit que ça commence à sécher là. Oh, on voit qu'il y a une trace là. Ah, sans doute que ça sera sec dans les 3 ou 4 prochains tours.
voit un point de ciel bleu. Eh putain, j'ai tapé Ricardo. T'as cassé l'aileron ? Non, ça va, rien de cassé, j'ai juste tapé sur le côté en fait. Et merci Atlantis pour le follow. C'est la saison de la loose. Hein. Ah, il y a une voiture en plein milieu de la piste là. Safety car, non ? Ça leur dirait pas ? Ah, il a pu se dégager. C'est vraiment le début de saison de la malchance. Hein. Bah, clairement. Là, ça sèche, Cyril, ça sèche. Bon, vous pouvez déjà commencer à préparer les pneus. Qu'est-ce qu'on demande ? SS, S ? Eh ben, je vais vous laisser le choix, les mecs. Je pars sur du SS. Ouais, moi aussi, je vais faire une grosse stratégie très agressive. Je pense que les gars, on va rentrer dans les trois prochains tours à peu près. Je pense, c'est-à-dire ouais. À partir du 7e ou du 8e, les slicks pourront être mis. Hein. Ça sèche. Oh là. Je suis désolé sur le live hein, si ça lag et si ça déconne. Le problème c'est que je peux pas régler ça maintenant parce que il y a la course et on peut pas mettre pause. Tu es sûr qu'on reste aussi longtemps en piste, Siri? Bah, je pense qu'on peut rentrer et à partir ouais, du 7e, ça sera bon. Ouais, je pense aussi. Ouais, le 7e. Et ça permettra d'anticiper un petit peu la stratégie des autres et de ressortir avant eux en slick. Comme ça, vous pourrez récupérer le temps que vous avez perdu. Pour l'instant, Lila, elle se lance pas. Hein. Il faudrait qu'on soit les premiers à mettre les slicks.
Alors Jeff à la radio me dit que mettre les super soft est une grave erreur. Il est gentil ce Jeff. Et quand il parle, quand il fait beau, il parle de pleuvoir et là il dit rien du tout là. Ouais, mais je pense que vu dans la position où vous êtes tous les deux, je pense que tenter les super soft, c'est ce qu'il y a de meilleur à faire. Bon, ouais, dernier tour, hein, Cyril, avec les intermédiaires. Hein. On va tenter le tout pour le tour. Entrer dans le 7ème, c'est ça ? Ouais, ça y est. Je suis Grosjean, ça rentre. Allez, je rentre aussi. J'espère que je vais pas te gêner. Non. Oh, mais j'étais loin, hein. Avec le drive trug là. En fait, j'ai fait un drive trug parce que j'ai loupé le départ. J'ai lâché. Ah oui, t'as... Ouais, j'ai eu ça. Vettel aussi rentre. Hein. Oh, le temps qui met. C'est un fiasco. Oh, 5 secondes d'arrêt. Oh, Vettel est repassé devant moi du coup. Et ils étaient pas prêts en fait. C'est énorme. La piste elle approche bien les gars. Ouais, ça moyen, moyen. C'est un peu dur en début de tour. Ouais. Après ça va aller en s'améliorant mais. Ouais. Bon, en tout cas pour la fourchette de l'estimation. On avait du juste. On est bien. Tu t'es fait avoir Angel à l'épingle. Ouais. Je freinais trop tard. Température encore. Qu'est-ce que vous avez ici, sérieux?
ce qui se passe. Mais il est sérieux? Ah, safety car, les gars. Safety car. Vous allez comprendre pourquoi. Ne me dis pas que tu t'es crashé, Cédric. Non, j'ai dépassé, comment il s'appelle, Nasser, je crois. Et il a tiré tout droit dans mon arrière. Nasser à rien. Voilà. Ça sera en replay. Quels sont l'état de vos guns, s'il vous plaît, là? Elles sont bonnes. 19, 18, 19. Ok, donc essayez de les maintenir en température pour le restart. Donc, qu'on s'arrête pas. Ça va nous permettre de faire quelques tours de plus en les économisant. Et pour les emmener un petit peu plus loin. Et ouais, puis, c'est très bon. Ouais. Et puis, je sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être qu'au prochain arrêt, on peut peut-être éventuellement mettre les médiums pour essayer de finir la course. Ouais, je pense. Ouais. Oh, l'IA est pas au point encore, hein, quand même. Hein. C'est ouais. Un peu navrant. Là, tu verras, hein, sur le replay, hein. C'est un peu compliqué quand même, des fois. Là. Mais quel enculé, ce Verstappen, putain, c'est pas vrai. À mettre en place, la... Putain de Verstappen de merde. Tu as tamponné? Mais ouais, mais ce gros con, il met un grand coup de patin dans la ligne droite. Ouais, et donc à mon avis, Angel, tu vas devoir au prochain arrêt changer d'aileron. Parce qu'après, ça sera trop pénalisant pour la suite de la course. Ah, t'as cassé l'aileron carrément? Ah, ouais, il est orange. Non, orange, ça va, c'est pas cassé. L'escarpe rouge, je le fais sur 3 roues. Parce que moi il est sur orange aussi depuis tout à l'heure. Oh mais ce gros con, mais c'est pas vrai, en plus il recommence. Hein. Ah il roule que je le passe. Décale-toi par rapport à lui en vrai. Ouais ouais, c'est ce que j'essaie de faire, mais quand t'es sur le virage... J'ai pas envie de ramasser tous les bouts de gomme qui restent sur le bord de la piste. En même temps, la piste avec la pluie, elle a été lavée. Donc... Il faudra un petit peu de temps avant que de la gomme se dépose dessus. Ouais. Retard trop important, il m'a sorti, mais l'autre en même temps il fait du tourisme là-dedans, putain. Vous êtes tous les deux mis en pot? Ouais. Ouais. Je sens on va finir la course comme ça, non? Quoi, là, au rythme ça va? Putain, je me disais, j'entendais une voiture qui ronronne, mais c'est normal, j'ai Button derrière. Il faut dire qu'ils ont bien reproduit sur ce jeu-là le bruit du moteur en barre. Ah oui, c'est impressionnant. D'ailleurs, Honda, ils ont encore quelques jetons en réserve qui vont utiliser certainement pour leur grand prix à la maison à Suzuka.
Tu es combien, toi, mon petit? Je suis 8e. Ah, c'est bon, ça. Et toi, tu as recollé au peloton, Cédric? Ouais, ça y est, c'est bon. 19e. Alors, c'est pas encore perdu, tu peux encore remonter. Hein, ah oui, on va viser les points. Hein. Alors, c'est pas impossible. Ouais, y a des gens qui rentrent au stand là. Ricardo, Massa. Ouais, c'est bon, la voiture de sécurité, c'est abusé quand même. Là, c'est trop là. Ça fait 4 tours là. En général, 3 ou 4 tours, c'est la norme. Ah bah, y a pas si longtemps que ça, t'avais pas le temps de rattraper le peloton, que la bagnole elle s'était déjà barrée. Bah, elle va rentrer à ce tour. Rosberg qui fait c'est la chaîne qui redémarre. C'est le restart. Ouais. C'est bon ça. Ah, Rosberg comme il abuse. Le chien. Je me décale, tu m'as vu, regarde, tu me vois là. Hop là. Elle est où la ligne? Il va la faire après le virage, ce con. C'est parti. À peine ce troubadour là qui rentre au stand quand la safety car se tire. C'est la stratégie. Ouais, c'est la stratégie. Il retourne jouer à la marelle lui. Ah, le pauvre moteur Renault, il aime pas la ligne droite. Non. Oh là là, la... oh la fessée qu'il me met, Vettel, c'est abusé.
Laisse la place pour doubler, c'est comme ça que ça se passe. Oh là là. Oh les mecs, des gouttières en puissance quoi. Ah, des chicanes mobiles. Ok les gars, vos pneus ils sont en quel état exactement là? Attends, je vais te dire ça dans la ligne droite, Cyril. Ok. Pareil. Euh, 45% à l'avant gauche, 42, 45, 44. Ok Angel, donc prépare-toi à rentrer au front les 3 prochains tours. Qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'agressif Cyril avec que des jeux de super soft et soft? Ou on met les médiums? Bah je pense que vaudrait peut-être mieux qu'on mette les médiums et qu'on finisse la course avec. Tu penses qu'ils vont tenir? Ouais, c'est possible, après ça dépend de votre façon de les gérer. Mais c'est jouable. 14 tours il reste alors. On pourra rentrer dans les 3 prochains tours comme ça le carousel. Donc Angel, il va falloir que tu penses qu'on est loin avant par contre. Ouais. Parce que sinon ça sera trop pénalisant. Je vais te laisser rentrer à ce tour, moi j'en fais encore un, c'est bon? Si c'est bon pour toi, moi ça me va. C'est bon pour moi. Ah ok Angel, donc tu vas rentrer en premier. Ça y est, Jeff me reparle de météo. Il est en forme. Ah putain, il recommence. C'était une bonne idée dès que la piste a séché d'avoir mis les super tentes parce qu'on a vous avez pu rattraper votre retard les gars. Cédric, tu vas pouvoir tenir un tour de plus? Oui, ça va aller. Ok. Je suis en mode gestion de la gomme en plus là. Il va falloir que vous gérez et tous les deux pour la deuxième partie de la course. Bon, ça fera 13 tours avec les médiums. Hein. Ça peut le faire. Ça peut. Mais Angel, il est dans son 16e tour, donc voilà, 28, ça fait 12. Ah, je suis désolé hein, pour ceux qui sont sur le live et pour qui ça rame, je sais pas ce que mon logiciel de streaming a ce soir, mais il a décidé de faire chier donc du coup ça rame.
Mais je peux pas le relancer maintenant. En mode kamikaze, je fais encore un tour de plus, Cyril. Oula, là tu prends un risque par contre. Sur la dégradation? Oui, oh que oui. Ils sont à 50%. À 50, mais c'est là que ça commence à devenir dangereux. T'atteins un seuil critique là. Bon, allez. Ouais, ils commencent à perdre un peu en performance. Oui. C'est toujours à partir de 50% que ces super tendres perdent en performance. Angel, tu remontes sur Bottom? Ouais. Alors celui-là, faut pas le perdre de vue. Hein. Je vais même aller le manger. Ouais. Et puis de toute façon, il y a d'autres pilotes devant qui sont pas encore arrêtés. Hein. Et Cédric, tu rentres dans ce tour. Hein. C'est ça. Je m'insère. Allez, Angel, un petit DRS sur le McLaren. Le virage au frein à main. Lube. Tu demanderas à Cyril, hein. il l'a vu, l'épingle. Oh putain, attends. 10 secondes d'arrêt, non mais c'est pas possible les mecs. Oh. Putain, je suis resté coincé par le trafic. T'as pas changé ton aileron non plus? Ah, j'ai pas vu, mais ils ont dû me le changer, j'ai l'impression. Ah oui, parce que t'avais du dégât. Oui, il était orange, mais ça marchait, tu vois. Ah, tu demandes à Angel là, mais apparemment ça a l'air d'aller beaucoup mieux avec un nouvel aileron. Hein. Ah bah oui. Ouais, les roues elles se bloquent plus facilement avec les médiums, c'est impressionnant. Moi j'ai une demi-heure Melonzo. Ça a l'air d'aller sinon Angel avec les médiums. Ouais, ça va. Par contre, ce qui va pas et qui me fait chier, c'est que le stream déconne et que les gens ils peuvent pas regarder comme il faut. Ouais, j'ai ça moi aussi, je suis obligé de faire avec. C'est vrai que c'est un peu pénible. Et je sais pas pourquoi ça merde ce soir. J'ai mon logiciel de streaming là qui monte dans le rouge, alors que d'habitude, avec ces réglages là, ça se passe bien. Le miaou miaou, tu connais. Bon, en tout cas, si à la fin de la course on a déjà les deux voitures dans les points, on sera très content. Ça y est, on est dans les points. Hein. Bon, c'est bien avec les super soft hein, quand même que je la préfère cette Renault. Oui, et d'ailleurs t'es pas le seul à l'avoir dit parce que moi j'avais des retours de Bix également qui me disaient qu'un décision en super soft elle était pas mal. Mais le seul petit souci, c'était effectivement la dégradation rapide de ces pneus. Exactement. Passe le DRS, Angel. Fais pas le attaque le
fuir après le virage 13. Il commence à me connaître, Cyril. Je suis à l'affût dans ton arrière, dans ta boîte. Je suis dans ta boîte de vitesse. Il y en a un qui le passe à droite, l'autre à gauche. Ah, je vais laisser Angel le doubler. Je vais avoir le DRS aussi, Cédric. Ouais, mais je... Ouais, c'est bien. Ça c'est fait, Fernando, il va pas offrir de, voilà, de résistance. Ouais, tu verras dans la vidéo, rediffusion, la résistance à Fernando. N'importe quoi. C'est pas possible. On a toujours les mêmes problèmes. Ah, il m'a pas vu. Cette IA est dingue. Ah, il m'a pas vu. Alors qu'est-ce qu'il t'a fait là? Ah bah j'ai pris l'intérieur, mais il avait pas envie de me voir. Ah d'accord. Il m'a envoyé dans l'herbe. Heureusement, il n'y a rien de cassé et pas de pénalité. Ah bah ça aurait été le comble. Hein. Parce que là-dessus, si tu prends une pénalité, c'est comme s'il y avait escroqué à l'assurance. Hein. On s'est emmanché tous les deux. Bon bah tu l'es pas, tu l'as passé finalement. Ouais bah il est parti, lui il est resté coincé par contre. Ça m'étonne un peu d'un pilote comme Alonso, hein, normalement. Encore on aurait pu crier au loup si c'était le gamin, mais Ou le Mexicanos. Ça dépend duquel. Hein. El Gutiérrez. Ouais. Ah bah écoute, Gutiérrez, on en a beaucoup parlé dans le débrief des disputes. Ben, on s'aperçoit que Ramirez n'est pas aussi, comment dire, nul et dangereux qu'on peut le faire croire. Ben en ce moment d'ailleurs, il est devant Grosjean. Ah, exact. Ouais. Tu regarderas sur les 10 derniers Grands Prix, il a devancé 6 fois en qualification. Eh ouais. Et ce week-end à Singapour, il a fini 11e devant une Williams, c'était clairement la meilleure place que pouvait obtenir une Haas. Oui, oui, pendant que Grosjean râle. Ouais, bah Grosjean, le problème, c'est que les Américains de Haas l'ont recruté pour faire la mise au point et le développement de la voiture, sauf que, comme tu viens de le souligner, il râle et il ne fait pas le boulot que tu lui as demandé. Et un de ces quatre, ça va se retourner contre lui. Il a carrément dit c'est la pire voiture que j'ai conduite de ma vie. Ah ouais, ça m'a tué quand il a dit ça. Oui, mais sauf que moi je vais dire également ce qu'Angel a dit. Chaque fois que tu écoutes parler Cédric Romain Grosjean, à quel moment il se remet en question? Ouais, je le déteste l'entendre parler de toute façon. C'est tout à fait ça. Hein. C'est le gars, il se remet jamais en question. Oui, bah tu regardes un petit peu la mutation qu'a opéré un type comme Sergio Pérez par exemple. C'est hallucinant ce qu'il est devenu, il faisait toutes les bêtises qu'il faisait auparavant, il a complètement mensonge. Et il est devenu il s'est assagi, il est devenu beaucoup plus régulier qu'avant. Et au final, bah on s'aperçoit que c'est qui est aussi rapide que talentueux en plus d'avoir des gros sponsors. Hein. Ouais, c'est un peu dommage. Parce qu'a priori, il va rester chez Force India, donc. Hein. Oui, enfin, en principe, il devrait rester, mais c'est il a un contrat pour l'année prochaine, mais lui n'a pas encore confirmé parce que. Ouais. On parlait de chez Renault, mais il est également. On sait que Williams, ils sont très intéressés pour le faire signer. Hein.
D'ailleurs, comment dire, la patronne Claire Williams a déjà déclaré que elle voulait elle la voir dans l'écurie de son père s'il était bien entendu disponible sur le marché. Hein. Ah ouais, c'est vrai, c'est une très bonne nouvelle. Bah puis d'autant que si par hasard ça devait se faire, même s'il n'y a pas beaucoup de chance, il y aurait probablement l'année prochaine une voiture performante dessus, parce que peut-être qu'il va pas jouer des victoires, mais une voiture performante, puisque Williams, ça fait plusieurs mois qu'ils travaillent déjà sur leur ouais, moi être dans le top 5. Oui, tu disais au moins être dans le top 5 déjà quoi. Ah bah je pense que même Williams s'ils ont une voiture performante en travaillant dessus plusieurs mois, en sacrifiant la saison en cours, ils peuvent très bien facilement retrouver leur niveau de performance de 2014 et 2015. Hein. Ouais, complètement. Voilà, eux ils ont je pense, je l'ai dit tout à l'heure. Ils ont une stratégie diamétralement opposée à ce que fait McLaren. Et bien qu'ils ont un peu moins de budget que McLaren, eux, leurs ressources, ils savent les utiliser correctement. C'est ah, parce que là, McLaren, le but, c'est de rattraper Ferrari avant la fin de la saison. Je vois pas l'intérêt. Ouais, mais ça n'a aucun sens, puisque de toute façon, toutes les équipes, quasiment, c'est tout ce que tourner vers 2017. Donc voilà, c'est encore une erreur. Une erreur de stratégie et de management et de développement technique à Woking. Hein. Ça te donne l'impression qu'ils n'ont pas, appris de leurs erreurs. Hein. C'est vrai. Bon, sinon ça roule les gars là. Ça marche. Angel, ça va. Ça va. 50% d'usure à l'avant gauche, sinon 45% sur le reste. Par contre, moi je suis obligé de rouler en pauvre depuis tout à l'heure parce qu'il me dit que j'arrive pas à la fin. Un petit peu à l'économie pour justement sauvegarder les pneus. Et ouais, j'ai fait un peu le con aussi en début de Grand Prix là. Sur l'essence et j'en ai plus. Je veux rouler. Tout le monde a l'économie d'essence et de pneus. Hein. Ouais. Angel, ça sert à rien de partir à la chasse à Raikkonen. De toute façon, il est en soft. Donc, on va garder cette place-là. Donc, si on est 4 et 5 à la fin du Grand Prix, ça sera très bien. Ok. Saison qu'on a fait. Hein. Moi j'ai les pneus qui sont nickel, c'est juste la jauge. Donc toi tu surveilles ta conso d'essence. Le 6ème il est à combien là? Il est très loin. Oui, donc tu peux rouler en pauvre. Vas-y. Ça y est, c'est enclenché. Angel, t'as soufflé bien ta conduite pour ménager tes pneus là. Parce que 50% ça commence à être chaud. Hein. Moi je suis à 35. Je crois qu'on est en difficile, Antoine, pour la difficulté. Vous me dites un c'est ça. C'est ça. On va les déboires des premiers Grands Prix, on a décidé de baisser la difficulté sur cette course-là. Pas parce que c'est une course où on maîtrise plus que d'autres, c'est juste que... histoire de se redonner un petit peu le goût. Ouais, il fallait se redonner un petit peu confiance. C'est normal. C'est quoi la difficulté au-dessus après? C'est expert, c'est ça? Ouais. T'as expert, légende
teammate parce qu'ils ont rajouté un autre level difficulté au-dessus. Ultimate, c'est la réalité, quoi. Ça. Oui, on peut dire ça comme ça. Là, t'as intérêt à avoir un Fnatic. C'est clair. Pour la précision. Ton essence, ça donne quoi, Angel? J'ai du rab. Ah mais on va pas l'utiliser parce que sinon tu vas fusiller tes pneus là. Ah, il connaît nos stands. Sérieux? Ouais, n'importe quoi. Sérieux? Bon bah écoute, si tu gères bien tes pneus, t'auras droit à du champagne sur le podium. Elle est coincée dans les stands en plus. Hein. Je sais pas ce qu'il a fait. Voilà, il a un super sauf, là, par contre, le garçon. Ça va ton niveau d'essence, Cédric? Ouais, ça y est, j'ai repris du poil de la bête. Dès que t'es en positif, tu peux remettre le mix 2. Hein. Ouais, c'est ce que je vais faire, je suis à plus 0,50. Ouais, je pouvais pas rouler plus à l'économie. Hein. Tiens, Angel, faudrait essayer de pas dépasser les 60% de sur sur tes 4 pneus. Ouais, je suis passé en mélange pauvre justement pour éviter de. Ouais, excellent, Angel, parce que j'allais justement te le demander. C'est bien. On s'en sort pas trop mal quand même hein, avec les problèmes du début. Ouais, c'est clair. En expert, on aurait fini dernier quoi. Ouais, 18ème. Il y a eu l'arrêt de la pluie et le safety car qui a bien aidé aussi. Bon, moi j'ai Raikkonen qui fond sur moi. Hein. J'espère que tu vas pouvoir résister sur le dernier tour. Ouais, ça va être chaud. J'ai même pouvoir me payer le luxe de passer en riche pour la fin. Ouais bah c'est ce qu'il faut Cédric, c'est toi qui remonte sur toi. Allez.
tranquille le dernier tour en duel. Hein. Une 42, 367 ou 57 pour Kimi. Avec le réservoir vide. Ah bah c'est là que tu vois que le super soft c'est efficace. Hein. J'arrive quand même à lui prendre le record dans le premier secteur. Ouais. C'est là que tu vois aussi que avec le réservoir vide, que ces pneus là c'est rien de plus que des pneus de qualification. Hein. Exact. Là, ça c'est pas de l'incompétence venant de Freddy. Il faudra qu'on m'explique ce que c'est. Hein. J'espérais que les pneus n'éclatent pas en même. Ouais, j'ai peur. Hein. Non, dans le 13. Hein. Heureusement, il n'y avait pas un tour de plus. Hein. Ouf. Il n'y avait plus de gomme et plus d'essence. Putain, ouais. Tu l'as dit. Alors attendez, je m'excuse. 2 minutes, je reviens. Bon, bah, champagne, Angel. Hein. Le champ. Tous une petite coupe, hein. Ouais, ils ont tourné pas très fort. Hein. Non, mais bon, c'est dû à la baisse de difficulté, Cédric. Et mais bon, de toute façon, bon, ça relance. Pris... Ouais, ça relance un peu ça relance l'écurie, quoi. Oui, bien sûr. Mais bon, en même temps, les deux premières coups, ils en avaient tellement pris plein à la tronche pour pas un rond que bon, il fallait se redonner un petit peu confiance. Exactement, bon bah là ça aurait été de 16e ou entre 16 et 22 quoi. Tu vois que Ricardo a terminé quand même. Ouais. Ah faut voir parce que au niveau au-dessus ce que ça aurait donné puisqu'avec la pluie, le changement de. Ah oui tout à fait. Changement de conditions météo plus le safety car, on aurait peut-être pu aller peut-être avoir les voitures dans le top 10, ça aurait été jouable. Admettons, si on aime faire de la science-fiction. Mais ce qui est dommage dans ce mode carrière, c'est qu'il n'y ait pas les fameux points de ressources du R&D pour développer l'auto. Ouais, c'est un peu dommage, ouais. Ouais, parce que nous, on est en train de, si tu veux, avec Angel, là, dans sa saison, avec As, on est en train de récolter, si tu veux, un certain nombre de points de ressources pour développer l'auto. À partir de Monaco, on va lancer les améliorations moteur et carburant qu'on devrait avoir pour Montréal. Que c'est un circuit qui sollicite beaucoup le moteur et qui consomme pas trop, qui consomme beaucoup de carburant. Ouais, c'est clair. Et donc après, on va faire, on a prévu après pour les prochains Grands Prix à partir de Silverstone ou du Hungaroring, des améliorations du type Monkey Seat, c'est-à-dire l'appui aéro, comment dire, la réduction du poids avec un capot moteur. Et que je te dis pas de bêtises, quoi d'autre encore? Ah, je m'en souviens plus exactement. Enfin bref, on a prévu tout ça. Et ça demande à ramasser beaucoup de points, pour le R&D. Ouais, il y avoir une voiture performante pour la fin de saison, quoi. Ouais, et après, en plus de ça, après, t'as une option aussi dans le R&D qui te permet d'arrêter le développement en conservant tes points de ressources, ce qui peut te donner une voiture plus performante pour la saison suivante. Ah ouais, ça c'est pas mal du tout ça. Ouais.
Et en effet, ouais, avoir vraiment se relancer sur la prochaine saison. Oui, c'est vraiment une bonne chose, hein. Ça a bien été pensé. Et ça fait vraiment partie intégrante de la carrière, donc c'est vraiment pas mal du tout. Ah, complètement. Non, ça fait des points tout ça. Mais ça, c'est un truc, c'est à un moment donné, et quand on va arriver vers la fin de la saison, c'est-à-dire après la fin des Grands Prix européens, si tu veux, le développement, il faudra se poser la question après. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Angel, mais concernant de la carrière avec As, mais, il faudra se poser la question de quand est-ce qu'il faut stopper le développement et basculer sur la saison suivante. Ouais, je sais pas, ouais, on y réfléchira. Oui, quand la question se présentera. Ouais, tout à fait. Bon, ben, podium, alors ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, va-t-on le voir, ce podium? Je ne sais pas, peut-être. Peut-être que oui. Bon, ben voilà, ça nous fait un peu revenir. Ouais, bon, ben c'est sûr que là, en difficile, c'était moins difficile, entre guillemets, que ça aurait dû l'être. Mais ça fait quand même plaisir quand tu fais une course et que tu finis bien, quand même. Ouais. Parce que quand on voit, l'IA a quand même un comportement qui est quand même bien particulier. Hélas, ça n'a pas trop changé. Enfin, ça a un peu changé, mais pas non plus énormément. Eh ben, on verra pas le podium. Il n'y a pas de podium. Et c'est vrai que c'est bien dommage. Bon, après, les points étaient à notre portée à Bahreïn. Hein. On a fait un peu les foufous. On a eu des accrochages, mais sinon, on aurait pu terminer dans les points. On a fait de la merde, ouais, c'est clair. Hein. Ouais. Bah, c'est toujours pareil. Hein. La dernière fois, c'était en dépassant Verstappen. Ouais. Et puis là, bah, c'est en dépassant Sainz hein, donc, et Alonso. Bah, à Sochi, hein, on essaiera de monter la difficulté. On peut voir un peu ce que ça donne. Hein. En tracé, où on est plutôt à l'aise. Bah ouais, parce que c'est vrai que du coup, après quand t'as les... Enfin, nous, ça va, parce que c'est... mais après, ça devient limite trop facile. Et surtout, c'est pour les viewers, quand ils viennent, ils regardent ça, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que cette blague? Ouais, voilà. On remettra l'IA en expert. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a une marche hein, quand même qui est pas négligeable. Et c'est bon, voilà, on a pas un niveau de dingue, mais on a quand même un niveau respectable, et c'est vrai que... Mais la voiture est à sa place aussi, hein, donc... Ouais, bien sûr. Complètement, mais faut dire que quand les internautes, ils ont fait les votes, ils nous ont pas gâtés, hein. Ah non, c'est clair, ils ont non, non, c'est sûr, l'écurie hein. Française, mais bon... Autant pour la Haas que pour la Renault, c'était pas franchement les écuries que j'avais rêvé d'avoir, mais bon... Ah non, je pense que si on pouvait avoir une voiture du top 5, c'est sûr, bon, hormis une Mercedes, si on pouvait avoir une Ferrari, une Red Bull, une Williams ou une Force India. Ouais, une Force India, c'est très bien. Ouais, je pense que franchement, là on pourrait se faire plaisir. Ouais, en attendant, on gagne. Avec un bon châssis et un bon moteur, là je pense que il y a à boire et à manger, hein. Et surtout à boire. Ouais, avec un coup de champagne. Hein. Voilà. Alors d'ailleurs, on a encore pris pas mal d'abonnés ces derniers temps. On est à 2372, donc c'est plutôt cool. Et, 73. Ah oui, 73. Ouais. Ça change tout. Et du coup, ben, on va bientôt arriver au cap des 2500 abonnés. Et si on arrive trop vite, ça va être emmerdant. Mais sinon, on avait dit qu'on allait offrir un jeu aux 2500 abonnés. Donc, on fera un tirage au sort à ce moment-là. Et puis, sinon, ben, 2500 abonnés, ça veut dire une FAQ qui aura lieu prochainement. Donc, il faudra que je prépare une petite vidéo pour vous proposer une petite FAQ pour les 2500 abonnés. Mais bon, enfin, bon, il reste encore une petite centaine d'abonnés à choper, hein, mais j'espère qu'on y arrivera assez rapidement, et puis à ce moment-là, on fera une petite FAQ pour contenter tout le monde, et puis chacun pourra poser sa petite question, donc ça sera tranquille, quoi. Yes. Alors, Paddock, ouais, ça a donné quoi, le bug de live, ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Mon logiciel s'est complètement emballé, j'ai des frame rate, j'ai des images perdues.
J'espère que pour la rediff, j'aurai pas trop de problèmes. Donc, vous aurez la rediff dès que possible. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée quand même, malgré tout. Je pense que pour beaucoup, ça sera sur la rediff qu'ils vont se faire plaisir. Quant à nous, on va se refaire un live sur F1 2016 dimanche prochain. Et donc, ça sera un live avec des courses en multi avec des abonnés. Alors, j'ai déjà lancé l'invitation à Jeff, qui normalement devrait être présent. Après, si d'autres personnes veulent venir jouer avec nous, Cédric, si t'es dispo, n'hésite pas. Ouais, y a pas de souci, avec plaisir. Voilà, donc sinon, Angel, j'avais pensé, est-ce que tu finirais pas éventuellement ta saison de Race Room? Ouais, c'est difficile de s'y remettre quand on est vraiment sur F1 2016, là, c'est assez compliqué. Oui. C'est juste pour le fun, tu vois, parce que, comment dire, t'avais pas encore vu le gros de la saison, tu vois. Et oui, j'avais pas vu les circuits, surtout un des circuits qui tient particulièrement à cœur. Ah. Oh, pas seulement, mais c'est vrai que c'était assez sympa et disons que quand tu commences quelque chose, c'est aussi bien de le finir. Tout à fait, t'as entièrement raison. Si ça se trouve, vu que je me suis un peu avancé sur ma course de cette semaine là par rapport à ma carrière solo, pas impossible qu'un soir je tourne un ou deux épisodes pour me réavancer là-dedans, quoi. Donc voilà. Il te reste combien de courses sur Race Room là? Ouais, il doit m'en rester 4 ou 5. C'est quoi le prochain circuit? Putain, ça date, alors là j'en sais rien. Faudrait que je regarde, mais j'ai plus en tête. Si je te dis pas de bêtises, après t'as fait une fois le Hockenheimring, ouais, en début de saison. Et là je crois que le prochain tu vas faire Hockenheimring et après je crois que c'est Portimao. Ok. Portimao, c'est pas mal. Ouais. Bon bah écoute. Bon, impeccable. Et ben ça roule, et ben merci à tous d'avoir quand même tenu le coup jusqu'à la fin du live. Ouais. Bonne fin de soirée à tous. Merci à toi Cédric, merci à toi Cyril. Ben merci à vous les mecs. Et puis merci à tous. Hein. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Allez, portez-vous bien, ciao ciao.